ça, si les boutons indice et passé se rechargent rapidement, les zones actives sont signées par l'étincelle normale. Les boutons indice et passé se rechargent lentement. On va rester en normal. J'avoue que le jeu m'inspire pas beaucoup. Il commence déjà un petit peu à me faire frissonner. Scène d'objets cachés, ok. Contenu bonus. Oh. Il y a des figurines à collecter. Et des fonds d'écran. Et les trophées. Le perso termine une scène d'objets cachés en moins d'une minute. C'est ce que vous voulez, terminer une scène d'objets cachés sans utiliser un indice. Terminer un mini-jeu en moins d'une minute. Terminer un mini-jeu sans passer. Terminer un acte sans utiliser d'indice. Terminer le chapitre bonus sans passer, jouer sans interruption pendant une heure. Terminer le chapitre bonus sans vous arrêter, trouver Kate, trouver une figurine à collecter, trouver un fée, trouver tous les fées. Chapitre bonus, terminer l'aventure principale en mode expert. Terminer le chapitre bonus, gagner tous les trophées. La musique est un peu forte. Terminer le jeu pour accéder au contenu additionnel. Il y a 5 musiques. Ok, il y a un asile. Ok. Oh, c'est un jeu d'énigmes. Non. Attends, il y a combien... C'est un jeu d'énigmes. Non, non, on spoil pas les cinématiques. Et le making of. Si on se spoil pas. Mais juste l'écran titre, il est pas accueillant l'écran titre. En normal, on va se mettre. Toujours là où Chio, enfin, tu es revenu. Ben, la pub est passée ou je ne sais pas quoi. Qui te fait patienter, qui fait que tu peux pas regarder le live directement. Ah mais attends, j'ai pas entré mon nom. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui, tu l'as. Attends, comment on fait? Je comprends pas. Quoi? J'émets un doute quant à l'utilisation de ce pavé tactile en QWERTY sur une manette. Ah, ça se joue avec les petites flèches directionnelles, d'accord, j'ai compris. Ça se joue avec les petites flèches directionnelles. Déjà, pourquoi le foutre en QWERTY, sérieusement? Vas-y, je commence dès le menu. Non mais il me met pas à l'aise l'écran titre. Il a quelque chose qui n'est pas bien. Il y a quelque chose de malsain dans l'écran titre.
plus faut jouer avec ça, c'est pas génial. Tout compris. Ok. Je comprends pas comment gérer la luminosité. On va rester comme ça. La tribune de Dark Falls, vendredi 22 juin 1984. De mystérieuses disparitions, une créature aperçue dans les environs de l'usine de l'asile de Dark Falls. Docteur Kane assure que les rumeurs sont fausses. J'ai pas le temps de finir de lire. Asile de Dark Falls, sécurité. Ça va être dans un asile. Pourquoi dans un asile? On peut pas le mettre dans une école, je ne sais pas. Je sens que ça va jouer sur les screamers et j'aime pas du tout ça, les screamers. Je préfère les jeux d'horreur où il n'y a pas de screamers, c'est beaucoup plus agréable. Dans un vieux clone pourri de The Evil Within, ce serait amusant. Mais ne dénigrons pas le jeu. Alors je suis dans le noir, mais je n'ai pas la musique à fond, faut pas déconner. Là je pense que je vais la baisser la musique. C'était nul. C'était nul. Je m'y attendais, mais il y a une puissance. Ça va jouer sur les screamers ou chiots. Vu ce qu'on vient. Voulez-vous utiliser l'aide interactive? Oui. Quel horrible cauchemar. Heureusement que les coups m'ont réveillé. Je me demande qui cela peut être, surtout à cette heure. À mon avis, c'est un jeu indé, ce jeu. Pour interagir avec des objets de l'univers, allumer la lampe en appuyant sur... Est-ce que c'est un point and click? Si c'est un point and click, le jeu est remonté dans mon estime. C'est un point and click. C'est génial. Oh, la découverte. Mais oui, c'est un point and click. Oh mais c'est génial ça, Ushio. On va s'amuser avec un point and click. Alors là je retire tout ce que j'ai dit sur le jeu. J'étais prêt à descendre le jeu. Mais si c'est un vrai point and click comme à l'ancienne. Je donne 20 sur 20. Non, peut-être 15. Mais oui, c'est un point and click. Oh c'est génial. Indique que vous pouvez examiner une zone. Une lettre à 7h. Pour fermer la fenêtre du zoom. Ah oui, mais c'est ce que je viens de faire, je viens de fermer. Heather Stonehouse. C'est pas un nom ça, Heather Stonehouse. Heather oui, mais Stonehouse. Coursier privé de Dark Falls. Dark Falls, le nom de l'asile. Frais d'accueil, de réception, approbation obligatoire. Frais de livraison restreinte, approbation requis. Affranchissement de $30.60. Les frais de réception sont de $6. Les frais de livraison restreinte sont de $30. Il fait un total de $66. 660. Ouais. Ouais. Mais ça, c'était facile. Attends, lire au verso.
sister. I didn't hear from her for almost 10 years. Je suis sûr sur ce jour, on est tombé sur une petite perle. Malgré que les visages soient inexpressifs et figés. And then shortly after our mother's death, she just disappeared. It was almost 10 years ago, and I have never heard from her again. What could have happened to her? Ça, je l'ai vu venir, c'était facile. Le truc de la photo qui bouge. En tout cas, un point and click sur PS4, non, pas souvent. Et les chevaliers de Baphomet, il y a Demetérios. D'ailleurs, faudrait que je fasse la démo de Demetérios. Et bien sûr, maintenant, Trufir, Forsaken Souls. Et oui, il y a marqué Souls, mais ce n'est pas Dark Souls. Là, ça brille. Un pied de biche. Attends. Trophée gagné, ce qui s'est vraiment passé. Il y a des collectibles dans la démo, c'est génial. C'est bien le nom de ma sœur. L'aurais-je retrouvé après toutes ces années? On peut le lire, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai cliqué au pif. J'ai platiné Dial of Tentacles. Je l'avais pris pendant l'essai gratuit du PS Now. Pendant une semaine. L'essai d'une semaine. Je l'ai pris et je l'ai platiné. Ah, là, ça brille. Je ne crois jamais avoir vu une telle lune. Elle a l'air presque menaçante. D'accord, ça c'est pour retourner là. Pareil. Vous pouvez à tout instant consulter les informations importantes consignées à votre journal. Ok. Si on peut faire ça. Allez, le pied de biche sur la boîte aux lettres. Oh, dommage. Donc il nous faudrait... On voit qu'il y a des petits carrés là qui manquent. Donc il faudra trouver des petits carrés. Par contre, c'est dommage qu'on n'entend pas trop la musique. Le son des voix est un peu fort. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de musique. Attends, c'est un point and click, faut passer partout sur l'écran. Étrange, le portail est condamné. Succès dans la démo, on va la platiner la démo. Trouver les 7 morceaux de mosaïque. Là il y en a un. Ça va être pour ouvrir la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres il y aura la clé. Si j'ai encore de l'expérience dans les point and click, ça va se passer comme ça. Délinquance. En tout cas, je suis agréablement surpris par cette démo. J'avais un doute. Cela pourrait être utile, mais oui. Pour ouvrir. Non. Vous aurez plus d'articles dans votre inventaire, vous pouvez basculer entre les boutons L1 et R1. Oui. Et là, on va reconstituer
pièces de puzzle, enfin les pièces de mosaïque. Pour constituer l'image, faites glisser chaque pièce vers le centre jusqu'à ce qu'elle s'insère parfaitement. Une fois à sa place, chaque pièce devient fixe. Il y a juste un craquement d'arbre. Non, non, non. Ce craquement d'arbre, mais c'est quelque chose. Comme dans tout point and click, on va bloquer un moment. Ce corbeau. Quelqu'un fasse taire ce corbeau et cet arbre. Pourtant, j'ai pas coupé les bruits d'ambiance. Salut Cobal. Oui, salut Cobal. J'allais dire salut corbeau, mais non. Salut Cobal. On joue à une démo d'un point and click. J'ai été agréablement surpris. J'ai vu jeu d'horreur, mais j'avais pas vu point and click. Et ça c'est génial de trouver encore des point and click de nos jours. Par contre, que quelqu'un fasse taire ce corbeau. Est-ce qu'on peut pivoter? Non, on peut pas pivoter. Bon, alors, ça doit aller quelque part par là. Poser là. On va prendre une autre pièce. Non, on va pas passer l'énigme. On est des vrais. On fait le jour entier. Là. Par contre, il n'y a pas de musique. C'est un peu dommage. Des démos quasi toute la soirée. Voilà, ça doit aller là. C'est mortel l'ambiance. Ah bah oui, maintenant que tu es là, Koba, je peux faire ça. Faut que je le marque sur le chat. Voilà. Comme ça, toi aussi tu es un vieil épicobal maintenant. Elle est comme ça. C'est un corbeau sur l'emblème. C'est un corbeau sur l'emblème. Ce corbeau qui va brailler à chaque fois que je place une pièce. Merci, je mets out. Non, pas besoin de me remercier. Tu le mérites, Cobalt VIP. Allez, attrape. Ouais, est-ce que c'était dur ça? Trophée gagné survivant. Et toutes les lettres se sont barrées. Les lettres. Va. Oui, il faut reconstituer. Ah, il faut. Oui, j'ai compris ce qu'il faut faire. Attends, ça, je le prends. Voilà. Chère mademoiselle Stonehouse, nous avons bien reçu votre demande d'information à propos de la patiente Dahlia S. Donc Dahlia Stonehouse, peut-être. Nous vous invitons à venir nous rendre visite afin que nous puissions répondre à toutes vos questions. Venez vite, ne vous forcez pas à venir vous voir cordialement. K, quelque chose, Church. Je sais pas. Church. C'est une lettre provenant d'un hôpital étrange, au nom étrange, l'asile de Dark Falls.
Elle ne ressemble à aucune autre officielle que j'ai vue. Qui est Dahlia S? Oui, il y a un seul bruit de corbeau. Et un craquement d'arbre. Là. Une clé. Non, non. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Non, non, je veux pas retourner en arrière. On peut plus aller examiner les. Bon, il devait y avoir un autre puisque ça clignote plus. J'utilise la clé. Ça y est, on a vu le monstre. Ça fait peur. Je joue en mode normal. La poupée creepy. Trophée gagné, œil de lynx. Ok. Pourquoi est-ce que je peux pas utiliser l'indice? Bon, il y a marqué indice en gros sur la poupée. Ah, j'ai gagné un grand jardin. Pourquoi est-ce une bougie allumée? On l'a peut-être laissée pour moi. Oui? Je peux pas prendre la bougie pour m'éclairer? Non. Attends, peut-être. Ah non, c'était juste pour s'éclairer. Maintenant, en plus du bruit de corbeau, il y a. Ouais, je peux pas prendre la poupée creepy. C'est pour les options. Non, il n'y a rien de nouveau. Bon, c'est un jeu indé, faut pas trop en demander. Là, le monstre, il venait de là. S'il y a quelque chose. Dans un point and click, comme tout le monde le sait, il faut balayer l'écran. ASMR Breeder. Faut balayer l'écran à la recherche d'indices. Ou pas. ASMR pluie, Ouchio. Là, il y a une poupée vaudou. S'agit-il de poupée vaudou? On a pensé à la même chose. Et les bougies vaudou? Comment ces bougies peuvent-elles être allumées? Cette maison a l'air complètement abandonnée. C'est étrange. Non. Qu'est-ce que c'est que ça là, sous la petite bouton croix? On dirait une carotte. Et c'est merveilleux. On dirait une carotte. Une carotte pourrie. Dites-moi que c'était seulement le vent. Mais la porte est verrouillée, quelqu'un vient de la fermer. Mais on a le pied de biche. Le pied de biche sur la porte. Du bougie sur du bois. Oui, c'est vrai, Ushio, la maison va cramer. Attends, je récupère le morceau de verre. Il faut effacer toute preuve de notre effraction. Non, non, moi je voulais le morceau de verre. Il y a de la musique et la poupée a les yeux satanistes. Et je peux pas retourner en arrière. Ça c'est le bon point and click. Ça va bien nous faire peur. Bonjour, il y a quelqu'un? Ah ouais, il y a le mob là. C'est Sadako. Elle a les yeux foncés. Elle a les cheveux foncés qui traînent comme ça. Là, il y avait un truc pour examiner. Sadako, bien sûr, ça vient de Ring. Oh, attends, la poupée, elle bouge la tête. Regarde, je mets le curseur sur lundi. Et elle bouge la tête. J'ai peur. Est-ce que vous aussi vous l'entendez? Enfin, si vous avez un casque ou un écouteur, il y a des petites voix en fond. Il y a des chla, 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 chla. Ah, tu as peur pour un rien. Il fait trop noir pour y voir quelque chose. Où est l'interrupteur? L'interrupteur est là. Hein? Ah, c'était. C'était juste un simple blouson avec une écharpe.
Là. Un morceau de dessin. Elle est bien faite, leur illusion. J'ai vraiment cru qu'il y avait ça d'à coup. Oh, l'araignée! Il n'y a rien d'autre à récupérer sous le blouson. On peut pas ouvrir le blouson pour voir la bite. Non. Attends, là, il y a un morceau de poupée. Les voix. Il y a eu les voix. Le roi l'air abandonné depuis des années. Là. J'ai récupéré un emblème d'œil. On est dans R2. Ça n'a pas fonctionné. Le balai est cassé et la corde a dû pourrir avec le temps. Je pourrais le réparer avec une nouvelle corde. Bien, intéressant. Il faut qu'on trouve de la corde. Ça, je peux examiner? Oui. Là, une note. Je fais le même rêve récurrent, une sorte d'hôpital. Tout se sent, cet endroit m'est si familier, pourtant je ne suis jamais venu. Ça n'a pas de sens. Cloué, pourquoi ne suis-je pas surprise? Je ne peux pas arracher les clous à la main. D'accord, il faut trouver un marteau. Tout le monde le sait, les marteaux, ça peut arracher les clous. Au moins, il y a de la musique. Le trou pour monter. Attention, ça va être fort. Qu'est-ce que c'était? Cela ressemblait à un reflet, mais il n'y avait que moi en face. Je peux pas prendre la photo, non. Par contre, j'ai trouvé la petite clé. Et là, elle a toujours les yeux rouges. Là, je peux mettre la petite clé. Est-ce que je peux aller là-bas? Dans le bureau. Ah là, il y a un plan. Ça y est, j'ai la carte. On est heureux. Pour manquer la formation. Manquer la formation. Ok, j'ai appuyé sur R3. Ce que je ne voulais pas faire. Et la poupée, elle a craché. Elle a été désatanisée. Position actuelle est signée par une étoile. Les endroits où des actions sont possibles seront signalés par un point d'exclamation. Il y a un TP. Je peux me TP. La musique est pas mal. Il y a enfin de la musique. On va la faire à 100% cette démo. Évidemment, les fusibles. Il manque un fusible. Flûte, décidément ce n'est pas cela. Il faudrait que je trouve un fusible en état de marche. J'ai une emblème et un morceau de dessin, ça va pas m'avancer. Voilà, vous avez RE2, moi j'ai ce jeu. Mais c'est pas dans le noir, là, il y a de la lumière. Te fiche pas de moi. Les petites voix. Les étincelles cachent, indiquent une scène d'objets cachés. Tu parles des grésillements. Un tournevis. Une photo creepy. Ou simplement un tas de toiles d'araignée en forme de visage. Et s'il y avait quelque chose de coupant en dessous, je devrais d'abord utiliser la brosse pour nettoyer le sable. D'accord, c'est du sable en forme d'une tête creepy. Là, je vais pouvoir nettoyer le sable avec ça. La brosse d'archéologue. J'ai gagné du tamis. Je peux pas prendre les boutons. Je peux pas prendre la piquette. La boutique.
bouteille est trop sale pour voir ce qu'il y a dedans. Hein? Eh bien, la brosse d'archéologue sur la bouteille. Quoi? Mais non. Tout le monde sait qu'on peut nettoyer tout et n'importe quoi avec une brosse d'archéologue. C'est une connerie. Je dois trouver les trois vis manquantes. Le plus sûr serait de briser le verre. Je peux briser avec un tournevis. Non. Très bien. On va tamiser le sable avec le tamis. Comment? Ah bah, on va nettoyer le sable avec la brosse d'archéologue. Voilà. Il y avait bel et bien une tête creepy. C'est creepy ça, par contre, hein, la bouche. Vandalisme. Il y a un mouchoir. Exactement. Je parie que la clé est dans les parages. Là, il y a une pin-up. On va utiliser le mouchoir. Je vois plus utiliser la brosse aussi. Je vois quelque chose à l'intérieur, mais je ne peux pas l'ouvrir. Allez, la vinasse. Avec l'animation à 30 fps. Les trois vis. La clé. Le coffre au trésor. Speedrun. Attends, ça c'est quoi? Il y a quelque chose là. Et gagner si c'est ce que vous voulez. Cela pourrait être utile. J'ai gagné une flûte. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une règle. Une clé plate. Merci. Prends-la. Je peux pas prendre la clé plate. J'ai besoin d'une clé spéciale. Avec moi, n'importe quel jeu point and click devient amusant. Donc pour prendre la clé plate, j'ai besoin d'une clé spéciale. Oh, la règle. Cela n'a pas l'air d'avoir été touché depuis des années. Un cutter. Un fusible. Le fusible. Alors, les gants de jardinier. Je n'ai plus le gant de jardinier. Donc je peux pas toucher ça. Si j'avais des gants de jardinier, je pourrais. Trophée gagné, collectionneur, le coursier. Il travaillait pour une entreprise privée locale. Quand vous les appelez, ils livrent le courrier immédiatement. Pourquoi Heather aurait-elle envoyé ce courrier en urgence alors qu'elle pouvait appeler? Mon numéro est dans l'annuaire. Elle aurait pu le trouver. Si c'était vraiment urgent et qu'elle avait des problèmes, pourquoi ne pas simplement venir ici? Et si la lettre avait été envoyée cette nuit, pourquoi cette maison semble-t-elle avoir été abandonnée depuis des années? Ok. Inconcevable que quelqu'un ait pu vivre ici récemment. Les planches pour boucher les trous. Bon ben pour la partie ne pas utiliser d'indice, c'est raté. Parce que sans le vouloir, j'ai utilisé l'indice. Trop d'intensité dans le jeu, mais il est très bien ce jeu. Attends, j'ai les fusibles. Donc, non, je vais pas retourner ici. Je peux retourner en arrière. Là, je peux retourner ici. J'ai un marteau. J'ai pas eu le marteau.
J'avais pas un marteau tout à l'heure. La musique de temps, mais le sait. Il y a eu un screamer silencieux dans l'écran titre. C'est tout. Enfin, dans la scène après l'écran titre, il y a juste un visage moche qui est apparu mais qui a pas gueulé. J'espère que ce sera pas un jeu qui va marcher sur les screamers parce que c'est nul sinon. Non, pas vénère. Pas du tout vénère. J'avais un marteau tout à l'heure. Bon, on va mettre le fusible. C'était par là. Voilà, c'était là. Ah ben voilà, j'ai déjà... Oh non. Ça, ça en allume deux. Trop, je vais gagner. Mais comment faites-vous? Easy. Non, non, avant d'aller dans la cuisine, attends, retourne en arrière. Là. Je peux prendre la planche. Oh, comme dans RE2. Ah non, c'était pas pour sauvegarder. You are now being connected to the next available representative. Please hold. So sad you didn't come see us. I guess we'll have to come see you now. Ok, c'était pas du tout pour sauvegarder comme dans RE2. Asile de Darkwell, c'est l'endroit dans mon cauchemar où quelque chose d'horrible se passait. Il n'y a pas d'autre message. Et là, il y a sacrément... beaucoup de cadenas sur chaque planche. Fourche langue. Et il y a les petits doigts qui vont chercher. Ah ça là ça. Comme ça. Attends là, il y a un truc. Pourquoi barricader la porte de son propre sous-sol? Parce que tu ne vas jamais dans les sous-sols. C'est interdit d'aller dans un sous-sol. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clés. Peut-être un passe-partout. Non, 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 je veux pas aller au sous-sol. Non, non, c'est mort. Je vais pas au sous-sol. Boy. Chill. Bug. Chill. Big chill. Big chill. La poignée est enveloppée de rubans adhésifs, je vais devoir l'enlever. Utilise le cutter. Si le frigo est rempli d'insectes, presque. Une ampoule de lumière noire. Ça n'existe pas la lumière noire. Tu peux pas prendre la vinasse. Des toiles d'araignée. Ouais, je pense pas que j'ai grand chose. Faut que je nettoie les toiles d'araignée, j'espère qu'il n'y a pas de carton de vieux, de les vieux de 10 ans. Non, mais c'est dégueulasse quand même. Holy Heather Dahlia. Holy Heather Dahlia. Ta. C'est mon nom, mais qui Dahlia? Alors, il y a des succès dans la démo, je vais essayer de les réaliser. C'est grippé par la rouille. Ok, je peux ouvrir le tiroir. J'ai pas envie d'aller à la fenêtre, certainement pas. Là, il y a une planche. Il y a une poupée. C'est une poupée, ça. Les gants. J'ai les gants en caoutchouc. J'en sais rien, c'est une poupée que j'ai ramassée. Depuis, elle a obtenu les yeux rouges quand on est entré. L'emblème de serpent, ben voilà, serpentard, tout ça. C'est très anodin, mais il manque tous les couteaux. Ne parle pas de couteau dans un jeu d'horreur. Là, il n'y a
a rien. Là, il y a une grosse toile d'araignée. Il y a toujours de l'eau courante. Je pourrais remplir ou faire tremper quelque chose ici. Tout est lié. Sinon, ben, j'en sais rien. C'est tout. Il faudrait la clé plate, mais pour ça, je dois trouver la clé spéciale pour ouvrir le cadran de l'horloge. Je l'ai lu, l'histoire est intéressante, mais beaucoup trop courte. C'est quoi ? Mystery Valley. Je connais pas. Madame, il manque tous les couteaux. Oui, merci, j'avais remarqué qu'il manquait tous les couteaux. Je peux pas prendre le fouet. Je peux pas prendre le mouchoir. Bon, on va cliquer sur la fenêtre. Ah d'accord, ça ramène ici directement. C'est peut-être anodin, mais de levier coule du sang. C'est pas de la rouille. La boîte. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Quel drôle de coffret, on dirait qu'il manque un des bras. Ah oui, là, le bras de Pantin. Je peux utiliser Serpentard? Non. On peut pas prendre le crayon pour prendre des notes? Non. Chargé. Je ne vais pas sur une porte où il y a des cheveux aussi développés. Cette porte a une pilosité beaucoup trop élevée. Là, il y a une planche. Les couteaux sont dans la cave. Possible. Rien d'intéressant. Qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a rien d'intéressant à regarder? Tu me manques au lit. Une photo de ma sœur et moi. Si elle pensait à moi, pourquoi ne s'est-elle jamais donné la peine de me contacter? Parce que tu l'as déchié. Les poignées ont disparu. Je ne veux rien casser. T'as cassé une porte pour entrer par effraction et tu refuses de casser une... Et tu refuses de casser ça. Une boîte de clous. Où est-ce qu'on avait besoin de clous déjà? On va cliquer sur la porte poilue. Ça, c'est une étoile à 5 branches. Il me manque un médaillon. Ah ! Le serpent ? Ah non, pas besoin du serpent. Octogone. Octogone, c'est 8 angles. Octogonos. Gonos, c'est l'angle. On va aller là. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ce frigo? Et là, il y a une fille qui a eu ses règles. C'est dégueulasse. Le seau est pris dans la glace. Tu m'expliques comment de la glace fait pour arriver là? Dégivrer. Vraiment, même le bouton dégivrage et le jeu est vraiment utile. C'est Wushio qui a fait le jeu. Si seulement je pouvais retirer la glace du bouton, je pourrais dégivrer le congélateur. C'est un congélateur, ça. D'accord. Là, il y a du courant. Impossible, inutile d'éteindre le congélateur. Ça prendrait des jours avant que la glace ne fonde. Tu m'expliques déjà, dans l'état qu'est la maison, comment le congélateur peut fonctionner? Bienvenue aux personnes qui arrivent, j'en suis sûr maintenant. Il y a quelqu'un dans la maison avec moi, je ne suis pas folle. Je vois que des objets ont été déplacés quand je reviens dans une pièce. J'entends quelqu'un marcher, hier j'ai vraiment vu cette chose debout dans le couloir. Ah, 5 personnes. Une autre note de ma sœur. A-t-elle vu cette fille étrange comme moi? Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un. On t'aimait même les... Alors ça, c'est parfait. Mais oui, même les démons payent leurs factures. On dirait du sang. Quelque chose pourrait être pris dedans, mais c'est impossible à lire. À dire. Le sang n'a pas en rondeur, je vais devoir le nettoyer. D'accord. Ah.
ai-je donc vu ce dessin? La voyons voir. Là, il y a un 6 et un 7. Voilà, c'est la poupée, c'est là qu'on l'a récupérée. Alors, on a vu un 6, on a vu un 7. Tiens, depuis que j'ai eu ça, moi. Ah oui, c'était le message pour le répondeur, ça. Là, il n'y a pas de fil dessus. Bouf, facture d'eau. Pour l'instant, j'ai juste le 6 et le 7. Oui, il est cassé, mais ce n'est pas comme si je pouvais défoncer la porte. 866. Ce secteur des impôts, c'est des revenants. Attends, je dois avoir un truc pour défoncer la porte. Les clous. Non. Si c'est 666, je ris. Il me faut un code pour ouvrir ce cadenas. Ah, tant que t'as pas le code, tu peux pas l'ouvrir. Ok. Donc, j'ai les gants. Pourquoi il me dit que ça brille là-bas? Je veux faire quelque chose? Il me semble pas qu'il y avait grand chose à faire ici. Attends, on peut se taper. On va se taper ici. Voilà. Là, il faut la clé étoile. On a le marteau. Oh. On se voit en train de se voir. C'était pas du tout creepy. Elle est irréparable. Pourquoi t'en fais ça? Surtout, comment la télé fonctionne-t-elle? Alors, j'ai obtenu le marteau. Exactement. Il n'y avait pas un truc à faire avec le marteau. Attends, là. Utilise le marteau. Quoi? Depuis quand tu peux pas arracher des clous avec un marteau? C'est débile. Je vais arracher des clous avec des clous. Non, évidemment que non. Je vais faire un truc ici avec le... J'avais un... Il y avait quelque chose. M'arrive-t-il? Je ne cesse de voir cette fille effroyable. Ah, c'est Sadako. C'est trop réel pour être un cauchemar. Je ne crois pas avoir jamais aussi peur, mais je ne peux pas abandonner maintenant. Ah d'accord, c'est un marteau sans le côté pour enlever les clous. D'accord, c'est pour ça. J'avais un pied de biche tout à l'heure. Non, décidément, on ne pourra pas ouvrir. Enlever l'étoile d'araignée. Bon, on va monter à l'étage. Attends, la boîte, il n'y avait pas quelque chose à faire avec? Est-ce qu'on peut prendre le marteau et défoncer la boîte? Non plus. Est-ce qu'on peut prendre les clous et défoncer la boîte? Non plus. Clouquer les planches comme s'ils sont vraiment...
Ouais. Bon, on va utiliser les planches. J'espère qu'on a assez de planches. Je ne peux pas aller plus loin. Je devrais clouer ces planches juste pour être tranquille. D'accord, bah utilisons les clous. Utilisons le marteau pour clouer. Oh, l'animation est en 60 fps. J'en sais rien, on cherche sa sœur, c'est le scénar. Mais c'est tout, on est venu ici au pif parce qu'on a vu une adresse dans chez un livreur. Un livreur est venu, on a vu cette adresse. Ah, l'emblème d'un serpent, numéro 2. Ok. Ma sœur était obsédée par les livres sur le paranormal, les rituels anciens et les démons. Non seulement elle semble avoir étudié des livres sur le sujet, mais elle a rempli sa maison de toutes sortes d'amulettes de protection. En jugeant par leur éclectisme, elle ne devait pas savoir exactement de quoi se protéger. Pourquoi ma sœur a-t-elle autant de livres sur le surnaturel et la démonologie ? Même si jamais ma sœur j'allais dans sa mère. Je me souviens de cette photo, c'est grand-père qui l'a prise. Une minute, il n'y avait personne d'autre dans la maison. Alors qui se tient derrière la fenêtre au premier étage ? Notre mère verrouillait toujours le premier étage, nous n'étions pas autorisés à monter là-haut. Et c'est qu'une démo ça, c'est même pas le jeu complet. Alors il y a deux portes, une là et une là. Un autre à récupérer sur le sol, donc on va ouvrir celle-ci. La porte est bloquée de l'intérieur. Or j'ai même pas envie d'y entrer. Mais je suis très content que ce soit un point and click. Là. Le bureau est fermé avec un code. D'accord. Attends, là la photo, elle est creepy là la photo. On peut pas analyser la photo. J'ai toujours pas la bonne emblème de serpent. Et les craquements sont de plus en plus forts. La fille de Pépé qui est 9 numéro. D'accord, ça ramène ici. Toutes les fenêtres sont barricadées, ça n'a pas de sens. Oh, le passage secret derrière le cadre. Un classique. Verrouillé, mais où est la clé? C'est pas ça la clé? Attends, l'ampoule de lumière noire là-dessus, non? Qui veut aller sur le balcon? Certainement pas moi. La plante de RE2. Il y a quelque chose d'entortillé là-dedans. C'est une plante japonaise en fait, il y a des tentacules de partout. Au lit enfant. J'avais 11 ans quand maman est morte. Heather m'a contacté, Heather m'a raconté que j'avais trouvé le corps mais je ne me souviens de rien. Après cela, la vie s'est arrêtée pendant un moment. Elle n'a plus jamais été comme avant. J'ai essayé de tout réparer. Notre maison, nos vies. Je pensais pouvoir tout refaire, mais la porte de sa chambre restait fermée. Nos grands-parents se querellaient plus que jamais. Bientôt, grand-père a déménagé dans son atelier, puis est mort. Ensuite, grand-mère est tombée malade et nous avons dû déménager dans un pensionnat près d'ici. Chacun rendait l'autre responsable de la mort de ma mère, et la maison tombait en ruine. Quand ma grand-mère est décédée, je suis parti reconstruire ma propre vie. Pas de marteau ni rien pour arracher. Lampe de lumière noire, évidemment. Mais il semble une fois au patron. Bon ben on va aller dans le jardin. C'est R7 en fait. La plante de R7 par la plante de R2. C'est quoi ça? Ah! Oui, il semble manquer des emblèmes. Ça pue. Ça pue, le genre de boîte avec des emblèmes à la serpentard comme ça. J'en étais sûr. Oh, j'en étais sûr. Père
faire muter, faites tourner chaque disque pour l'aligner avec le motif afin d'ouvrir la boîte. J'étais certain que ça pue l'énigme. C'est juste la faute de la boîte de Pandore. Attends, à quoi ça sert d'appuyer sur triangle? Voilà, je savais bien que ça servait à quelque chose. Vu mon niveau en termes d'énigmes, on est ici jusqu'à 1h du matin. Et il est quasiment 1h du matin. Attention! Quoi? Une batterie? Mais je croyais que le jeu était allumé. Quelque chose scintille dans les arbres. Est-ce que tu as ta canne à pêche? Non. Si tu as une canne à pêche, tu peux attraper ce qu'il y a dans l'arbre. La lune est énorme cette nuit. Là, le petit cabinet. Je ne distingue pas ce qu'il y a là-bas. Il faut une lampe torche. Une pince. Il te faut un tournevis. Mais tu en avais un tournevis tout à l'heure. Il me faut un tournevis pour retirer ceci de la fenêtre. Ah, c'est la porte qui est fermée de l'intérieur. Moi, je vais faire des énigmes pour une batterie. Ta gueule, papy, mets la batterie dans le garage comme les gens s'y visent. Alors, on a une pince coupante, donc on va pouvoir couper la plante. D'accord, on peut pas couper la plante avec la pince coupante. C'est normal. La plante est pétée. Ça, c'est le coffre. Ça c'est le jardin, d'accord. J'espère vraiment que ce n'est pas quelqu'un qui la bloque de l'intérieur. Tais-toi, personnage, tu portes malheur. Ah bah avec la pince coupante, je vais pouvoir retirer les clous. Voilà. L'animation en 60 fps. On ne peut même pas se payer un café avec 1€ de nos jours. Je suis riche, je plaisante. On peut pas prendre l'argent. Sans intérêt. Je pensais trouver quelque chose de plus précieux. L'éponge, mais elle est sèche. Va falloir la mouiller. Donc pour la mouiller, il faut aller dans la cuisine. La batterie pour faire cramer la glace. Oui, c'est vrai. Non, mais tu n'as pas tort, que balle. Ah bah c'est pas du sang qui coule. Là, l'éponge. Oh putain. Comment ça, ça fonctionne pas? Tu n'utilises pas une éponge pour nettoyer des toiles d'araignée? Non, j'ai pas le bras du coffre. Ah ben oui, je sais pourquoi utiliser le... Tiens, on va tester au pif la batterie sur... Non, ça fonctionne pas. Non, mais le sang, par contre, pour nettoyer le sang, les
éponge pour nettoyer le sang. Quoi? Ça fonctionne pas? Comment je vais juste laver ça? Attends. Pourquoi ça fonctionne pas? A priori, il y a quelque chose à faire ici. La poignée, elle a bougé. Attends, j'avais pas vu ça. Ces taches me donnent la chair de poule. L'assiette donne la chair de poule effacée. J'utilise l'éponge. La batterie sur le machin. Non. On n'utilisera pas d'indice. Hors de question. Il y a quelque chose à faire ici aussi. Oh, ça me fait quand même bien, mais il manque tous les couteaux. J'avais pas ouvert tous les coffres. Tous les coffres, tous les tiroirs. Électrifie la porte pour tuer le connard qui touche la poignée. Oui, j'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Voilà, on va nettoyer la poussière. Oh, le code 1723. Ouais, il faut des fils. On a le code, c'est 1723. Mais ça semble familier et il y a un nombre à côté. Cela doit avoir de l'importance. Attention. Quel cadavre y a-t-il dans l'armoire? Avec la passe coupante, tu peux couper celle de la lumière près de la porte. Ah, pas bête. Alors d'abord, on va ouvrir le cadavre qui est dans le placard. Il y a obligatoirement un cadavre. Il y a un aspirateur. D'accord. Non, c'est logique. Et avec l'aspirateur, je vais aspirer les toiles d'araignée. C'est pas ça le truc. Faut pas l'ouvrir à la main. Il va falloir un tournevis, encore. Ah, l'aiguille de l'horloge. On va tester le truc là d'ouvrir. Alors attends, où est-ce que c'était? Ah mais je n'ai plus la pince coupante. Donc je peux plus couper les fils qu'il y a là. L'ampoule a disparu. Utilise la poule en lumière noire. La batterie. Oh, ça fonctionne comme du luminol. Alors, est-ce que quelqu'un sur le chat peut noter la combinaison? C'est du chinois pour moi, je ferais bien de noter tout cela. Merci, je vais le noter sur le chat. Alors, il y a une espèce de trident. Un P bizarre. Un U. Un G bizarre. Un Z. Pourquoi il a marqué un peu? C'est un P bizarre. Le menage.
WPUGZ. Ah, c'est un W. Eh, je peux plus me remettre. D'accord, bon, c'est un W, d'accord. Du coup, on va aller au bureau. La combinaison, il l'a. Voilà. J'ai noté sur le chat pour rien. W P U G Z. Ouh, c'est une scène d'objets cachés. Go noter quand même, oui. Les photos creepy. Il manque les cloches. La vinasse. Il faut un décapsuleur. Ah, c'est une bière plus que du vin. Je devrais chercher la clé. Non, non, non. Faut m'y retourner. Il manque la poignée. Et j'ai aucun objet. Enveloppe. Ok. Faut pas l'ouvrir. Ah non, non. Oh, attends. Je pourrais placer un poids ici. La chauve-souris ne te perturbe pas. Oh, j'avais pas vu la chauve-souris. La chauve-souris dans le jeu vidéo. La photo creepy, je peux pas la prendre. Non. Une lime à ongles. Des allumettes. On va faire cramer le congélo avec des allumettes. Ou cramer l'étoile d'araignée. C'est un bon endroit pour brûler quelque chose. C'est pas sérieux, des allumettes. On peut utiliser des allumettes. Et ça te perturbe pas non plus, espèce de tête qu'il y a là. Ça, je peux la récupérer. Un décapsuleur, ok. J'ai gagné une bouteille d'eau. C'est un bon endroit pour brûler quelque chose. Je crame l'enveloppe avec les allumettes. Poster simulateur. Alors, l'aiguille d'horloge. Attends. Ah, j'ai raté quelque chose là. Quoi? Mais. Le feu n'endommagera pas la clé à l'intérieur. Comment tu savais qu'il y avait une clé à l'intérieur? J'ai obtenu la clé. Ça pour une clé. Une brosse à cheveux. Un dé. Une photo. Une carte de travaux. Une poignée. Ah non, les cloches du réveil. Un pinceau. La corde. Il me faut un mort. Il me faut.
qu'un morceau pour cette corde. Bon, ben, les clochettes sur le réveil. La chauve-souris. La chauve-souris, la pauvre chauve-souris. De la TNT dans le mur. Ah non, des ciseaux. Tout ça pour une clé. Oui, tout ça pour une clé. L'orage de la clé. Je peux rien prendre d'autre. Si, là, avec le ciseau. Je peux couper la corde. Cela pourrait être utile. Ok. Ok, ok, ok. Je pouvais pas cramer la plante avec le... Est-ce que je peux pendre la plante? Non, on ne peut pas pendre une plante dans la vraie vie. Je vous le dis, celle de la cohérence, exactement. Là, il faut toujours une emblème. Ça doit être une emblème avec, comme ça, avec un soleil. Juste pour ouvrir les toilettes. Elle a pas de cacher ce mal au ventre. C'est vrai qu'il me fallait une corde pour le balai. Le balai qui va servir à enlever les toiles d'araignée. C'est tellement... retourner dans là. La clé, l'aiguille de l'horloge. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah oui, merci, une clé plate. On va te faire voir. Le balai. Un tournevis. Ok. Alors je peux pas ouvrir la boîte aussi avec le tournevis tant qu'on y est. Non. Bah oui, l'aspirateur, ce que je me suis dit aussi. L'aspirateur pour déverrouiller avec le tournevis. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'aspirateur? De la poussière et une voiture en or. Ok, that seems logic. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu tout dévisser d'un coup. A priori, il y a toujours quelque chose à faire ici. Que je peux casser la glace avec un tournevis. Attends, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Ça casserait probablement le tout. Dans la prise.
ben j'ai plus de tournevis. Did you ever have a feeling? Et la fin de la démo. That there's someone in the house with you. But you know for sure. Si c'est la fin de la démo, there can't be anyone. Le jeu, il est trop bien. Sur un tournevis qui est dévissé, il a fait un aspirateur. Oh punaise, le jeu qui en met. Quoi ? Le jeu qui met tout dans la scène de fin. You followed the hints from an animated scary doll. Sinon... And you are surprised you didn't end up in a happy place. C'était vraiment la fin de la démo. Mais ça part en couille. Plus de 100 zones à visiter. Plus de 20 puzzles. De nombreuses scènes d'objets cachés, un chapitre bonus, des croquis, des scènes coupées. Les musiques du jeu et la vidéo non censurées. Serez-vous prêt à aller jusqu'au bout et découvrir le sombre secret de la famille Stonehouse? C'est... sans... Donc là il y a l'histoire, je vais passer rapidement, mais je crois pas qu'il y ait quelque chose de différent. Non. Pied et Heather au lit enfant qui m'en manque pas mal. Les mini-jeux, ça doit être lié à la au morceau de dessin que j'ai trouvé. Ah bah tiens, le petit carrosse là qu'on avait trouvé. Un mini-jeu comme ça, mais ça va être horrible. On a fait 1h20 de la démo. Dans la démo, on a fait quoi? On a fait deux zones, je crois. Non, trois zones. La chambre, le jardin, une quatrième avec l'entrée de la maison, une cinquième avec la maison. Terminer une scène d'objets cachés en moins d'une minute. Terminer 5 mini-jeux en moins d'une minute, terminer 5 scènes d'objets cachés sans utiliser d'indice. Terminer 5 mini-jeux sans passer. N'écoutez pas les poupées. Terminer le chapitre bonus sans vous arrêter. Ça, à mon avis, ça doit être lié à tout le jeu, pas qu'à la démo. J'ai gagné des fonds d'écran. Non, je veux des fonds d'écran. Mais non. Ouais, à mon avis aussi, c'est sur chaque pièce. Sinon, c'est que le jeu, il est vraiment énorme. En tout cas, agréable découverte, cette démo. Ah, dès que je peux, on fait le jeu en entier. Parce que ce...
Il m'a plu le jeu. Au départ, j'étais sceptique. Je me disais un jeu basé sur les screamers, parce qu'on a vu un mec qui était débile, qui était nul. Mais finalement, un point and click. Et ça, c'est génial. Point and click. M'a bien plu. Ah, tu pourras toujours venir le regarder chez moi, Cobal. Si un jour je le fais. True Fear, Forsaken Souls, Part 1. Enfin, une démo que je termine correctement. Normalement, il devait y avoir une autre démo, c'était Shining Resonance Refrain, mais. Vu l'heure, j'ai plutôt envie d'aller me coucher. Je commence à fatiguer. Qu'est-ce qui se passe si on fait rejouer? On peut pas rejouer la démo, mais non. T'es sérieux? Je peux pas refaire la démo? Mais non. Oh, on peut pas refaire la démo. C'est le genre insulter les gens. Moi je suis le genre à démonter tout le film en disant ah mais pourquoi ça c'est pas réaliste. On peut pas refaire la démo. Oh je suis déçu. Je vais supprimer la sauvegarde de la démo juste pour pouvoir refaire la démo. Le problème c'est que Shining Resonance Refrain, c'est en anglais. Et là j'ai pas le cœur à faire de la traduction d'anglais. Ouais, bonne nuit, à demain, Cobal. Ouais, je vais m'arrêter là. Il y avait quoi déjà dans les options? Ah oui, la difficulté. Pourquoi il l'a enlevé? Voilà. Ouais, j'étais en normal. J'aurais pu le faire en expert. C'est lié au profil, hein? Ah oui, c'est vrai, on peut faire un nouveau profil. Je sais pas non plus. De toute façon, je sais pas si je referai la démo. Par contre, j'ai bien envie de refaire le jeu en entier. Mais tout jeu, j'ai bien envie de le faire. Parce qu'un point and click, c'est super, mais un point and click d'horreur. Il y avait des trucs du turfu. Je crois que c'est la meilleure démo que j'ai fait de la soirée. Le jeu d'énigmes, la première démo qu'on a fait, c'était perché. The of the Enders, c'était pas mal. God Eater, bof. Mais on fera le boss en coop ou chio si on arrive à le faire. Et True Fear, meilleure démo de la soirée. Bonne nuit. Demain on fera la démo de Shining Resonance. Ensuite on reprendra le farm dans Dark Souls. Si demain je peux avancer les serments des Vertelames et des Langues Pâles et commencer un nouveau serment, je serai très contente. Ça va prendre du temps les serments. Si en 4 heures j'ai réussi à avoir 30 médailles solaires, en 4 heures je devrais avoir alors 30 Langues Pâles. Et Vertelame. Et bonne nuit, Ushu. Mais il y a 7 farmants. Plus le farmant des danses de Vianor. Ça va être long. Oh non, mais c'est fatigue. En tout cas, peut-être qu'on se fera aussi la démo de Demetrios. Un autre point and click. Mais celui-là qui est beaucoup plus perché, Demetrios. Demetrios, on va avoir besoin d'une solution si on fait de la démo. Parce qu'il y a des trucs, mais je me rappelle même plus, mais il y a des trucs perchés.